C'est-à-dire qu'il y a des endroits où tu n'as aucune visibilité. Quand tu arrives à un putain de céder le passage, eh ben tu vois rien. Tu es obligé de t'arrêter. Ok ? Je te fais pas un dessin. Alors que normalement, je veux dire, céder le passage, tu t'arrêtes pas, quoi. Là, là aussi, on voit rien, putain. Les mecs sont garés, là. Putain, ça me vigne à la vie, ça. Il n'y a pas de clignotant, rien du tout. Tu fais comment pour savoir ? Mais tu vas tout droit. Putain. Ah ouais, mais ils mettent pas leur clignotant. Mais tant pis pour eux. Toi, t'es, c'est pas toi qui es en tort, c'est eux. Donc si jamais il y a un accident, c'est eux qui sont en tort. Moi, ça fait 6 mois que j'ai mon permis, mais je l'ai encore gravé dans la tête, le code. Il y a des gens, je suis C'est le genre de, c'est le genre de personnes que une fois qu'ils ont passé leur permis, ils attendent 6 mois, 1 an pour avoir une auto, et là forcément ils se rappellent plus de rien. Man, rien que le mec derrière, je sais pas si c'est à cause du rétroviseur ou si c'est juste moi qui ai une vision à chier, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure il nous colle. Non mais t'inquiète pas, c'est pas. Il nous colle vraiment en fait. Putain, espèce d'enfoiré, si je dois m'arrêter parce qu'un gosse il court à travers la route, tu fais quoi? Mais regarde qui, aussi ça. Putain, ce truc mal fait de mes couilles. Les mais passages bon... piétons aux sorties de rond-point. Mais putain, oh, on est où? Tes putains de passages piétons, tu les mets 200 mètres plus loin. Ah gueule, là, t'as porté avec ton vélo. Attends, là je m'arrête, je sais pas ce qu'il fait là. Bah vas-y, c'est... Ah non mais, maintenant j'ai peur mon gars, je sais plus. Je sais plus, j'ai l'impression qu'on m'a appris une mauvaise côte de la route mon gars. Je m'en vais voir sur Oscaro. Mon gars, l'injecteur, 6000 euros 350 euros. Waouh, un seul injecteur. Un seul. Oh putain. Un seul. Oh la vache. Ce matin, on s'est recruté... Je passe. Capto. Mais par contre, s'il me talonne, et Maliolia, ah, que c'est chiant de conduire, les gars. Donc, vous le voyez peut-être derrière. Voilà, et maintenant, une colle. Bah, tant pis, hein, moi je fais rien. Je fais rien parce qu'il n'y a rien à faire. Et de toute façon, il y a un gars devant moi qui est à 50, parce que c'est limité à 50. Ça vous intéresse, non ?